Quelques instants, c'est quoi qui dit Une émission en direct. Présentée par Adrien D. Au programme Distribution Linux, Administration, Tutoriel, Logiciel Libre et Astuces. Rendez-vous tous les premiers mercredis du mois en direct à 20h. Bien, salut à tous. C'est Adrien. Nous voici enfin ensemble pour ce 38e épisode de C'est quoi qui dit et on va faire quoi aujourd'hui Eh ben comme vous le voyez dans le titre, on va faire un bric-à-brac en vrac. Alors, le bric-à-brac en vrac, ça veut dire quoi ben, ça veut dire qu'en gros, Adrien, il a absolument pas eu du tout de temps pour préparer l'émission. Et donc, il bah, n'y a pas de sujet euh, dédié, tout ça, vous voyez. Même là, ça se fait un peu à l'arrache parce que bah, voilà, j'ai lancé le, 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 le mauvais C'est quoi qui dit. Et en fait, j'ai euh, Cyril, je crois que c'est Cyril, ouais qui m'a fait un, une intro quand même beaucoup mieux. Alors, vous savez ce qu'on va faire On va se remettre l'intro quand même beaucoup mieux de Cyril, qui est quand même beaucoup mieux que ce que j'avais fait. Allez, on va se remettre ça. Donc, ça doit être celui-ci. c'est pas le spécial, c'est l'intro. Ouais, ça doit être celui-là. Allez, hop Dans quelques instants, c'est quoi qui dit une émission en direct, présentée par Adrien D. Au programme, distribution Linux, administration, tutoriel, logiciel libre et astuces. Tous les premiers mercredis du mois, en direct, à 20h. Et voilà, elle est, elle est quand même mieux cette intro là. Hein, c'est bon, on voit quand même que Cyril m'a fait du travail. Alors, je, je ne sais pas avec quoi il a fait cette introduction, mais c'est quand même largement plus sympathique que mon petit montage euh, LibreOffice Impress. Mais enfin, bon, c'est pas grave, hein, on fait avec les moyens du bord. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de mettre le chat. On, ça va arriver un jour, hein, euh, je sais pas quand, mais ça arrivera. Un jour, le chat sur le côté, hein, bon, bref, euh, voilà. C'est. En fait, juste pour la petite anecdote, je suis rentré il y a, allez, 20 minutes à la maison et j'ai eu le temps de manger vite fait en vitesse. Donc, vous voyez, c'est quand même pas top, on n'a pas eu le temps de faire bien grand chose. Hop, je me mets sur la page d'accueil et je vais saluer tous les gens qui sont là, mais je crois qu'avec le replay, le chat, il s'affiche toujours. Donc, je salue N... Oh là, attendez, vous voyez, Adrien, il bug, là, il est en train de faire une petite erreur, là, donc... Hop, on va rebooter Adrien. Hop, donc je dis bonjour à Ilzun, Storms, Patrick B, Francis, Francis, Francis Mint, ouais, Scutman, Jack, Pierre, 16R, ouais, Monet, Terry, Storms, bah je lui ai déjà dit bonjour. Euh, on a qui, Burn02, Laurent, Max, euh, Jérôme, euh, Leroy du Rey. Euh, Jack, c'est déjà dit. Euh, one, one, one Rim. Oh là là, oh là, là j'y arrive pas. Je vais pas y arriver ce soir. Hein. Jérôme, Kouka. Euh, DDA. Enfin, il y a trop de monde, quoi. Se les Se les t'as vu, j'ai dit le, le comme il faut hein, le, le pseudo du premier coup. Euh, DJ El Farid. Et puis, il y a Sébastien qui est là. D Darkstar. Et puis, euh, voilà. Et Max qui nous vient du Québec. Salut mon chum. Voilà, comme diraient nos amis canadiens. Alors, déjà. S'il y en a qui veulent tenir un petit calepin et compter avec des petits bâtons combien de fois je dis voilà dans le live, faites-vous plaisir parce qu'à mon avis, il va y en avoir un paquet. C'est pas... Euh, comment dire On n'est pas... Euh, bon. Alors, on dit warim, warim. Eh ben warim, wa... Non, wa, warim. Oh là là, oh là là, oh là là. Et le live, là, il démarre mal. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous, je le sais, vous m'aimez comme je suis. Eh ouais. Donc, vu qu'on n'a rien de prévu, eh ben on va faire un peu de... Comment dire On va faire un peu de, de recherche comme ça. On va, on va regarder un peu ce qu'il y ce qui a eu de beau dans le monde du livre récemment quand même. Donc on va aller sur DistroWatch. Hein, comme ça, ça, ça donnera un petit peu de... Vous voyez, je ne sais même pas écrire DistroWatch. J'ai écrit DistroTouch. Voilà. Bon. Faudra faire... Il faudra faire avec. Il faudra faire avec. En ce moment, c'est compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, on est content. Euh, la chaîne est un petit peu au ralenti. D'habitude, bon, je fais euh, une vidéo tous les jours, voire tous les deux jours. Là, on est plutôt dans dans la vidéo euh, tous les deux à trois jours. Bon, voilà. Euh, les enregistrements sont en faits euh, tôt le matin parce que j'ai absolument euh, pas de temps du tout. Mais bon voilà, et puis euh, j'en profite pour saluer IPlexus, Basta, Fabrice, et puis euh, Benjamin Faux, voilà que j'ai oublié. Je suis désolé, tiens, vous pouvez noter, je viens de dire un hein, voilà. Donc vous pouvez noter un petit, euh, un petit bâton ici. Alors Basta tube, ouais, euh, j'ai vu qu'il y, euh, des, 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 qu y avait des trucs là, euh, qui sont sortis sur, euh, sur VMware, tout ça. Bon. On va pas parler virtualisation. J'en ai fait assez aujourd'hui. Bon, on va parler Linux. On accepte les cookies. Hein D'ailleurs, c'est bon, ça me donne envie de manger, ça, dit non les cookies. Euh, là, ça, avec la petite tisane, là, parce que, oui, il y a, y a l'ange du Cantal qui me dit « Détends-toi, ouais, je vais me détendre, je vais me détendre. » Il y a une petite tisane à côté, vous voyez, pour, pour voir, pour boire un petit peu, se, ce... voilà, euh, assécher, parce que la bouche, à force de parler, bon, ça va s'assécher. Alors, dans les news, dans le monde du livre, et eh ben, il y a deux trucs qui sont assez intéressants. C'est, comme le dit Bastatube, Ubuntu 20.10, Beta qui est arrivé. Et on a euh, Fedora 33. Alors, Fedora 33, Fedora, Fedora, Fedora 33. On va aller regarder ce qui se passe ici. Fedora 33, France, actualité, ici. Bon, super, Next Impact, on a parlé. Euh, comment il s'appelle Renault, mon ami Renault, belge, on a parlé également. Alors, Fedora 33, j'en ai déjà... Parler sur la euh, chaîne ici. Hein. Hop, Fedora 33. J'ai dû déjà en parler sur voilà, les nouveautés. Ah, oh, j'ai dit un petit voilà, vous pouvez noter. Euh, J'en ai déjà parlé. Donc, on va pas trop finalement euh, refaire de. Hum, de test, enfin de, de parler des nouveautés, hein. en gros c'est euh, GNOME 3.38, des mises à jour de logiciels, ajout de ZRAM, donc ZRAM j'en ai fait déjà des vidéos, il n'y a rien d'extraordinaire, le retour des écrans animés par défaut, ouh, quelle nouveauté, euh, la bascule, la bascule de système de fichiers de EXT4 vers BTRFS, alors attention, c'est une bascule de système de fichiers que si vous faites une nouvelle installation. Vous installez nouvellement une Fedora 33, vous êtes en BTRFS. Si vous êtes sur une 32 avec EXT4, évidemment, vous restez en EXT4. C'est évident. Donc, ça, il n'y a pas euh, de, de gros chamboulements de ce côté-là. Euh, et puis, voilà. Après, bon, y a, y a, y a, j'ai encore dit un voilà. Notez, petit bâton supplémentaire. C'est bien parce que je m'en rends compte hein, des voilà. Donc, euh, ici. Euh, côté admin système, bon, il voilà, y a d'autres... Ah oh, merde, j'ai encore dit voilà, dis donc. Allez, notez, bim, 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 Allez, à chaque fois que je vais mettre un voilà, je vais me mettre un coup de poêle. Paf, voilà, ça fait mal. Tiens, regarde, j'ai dit encore une fois. Ah oh, non. Ok. Ouais, ouais, je suis en forme, on dirait pas, mais les heures de sommeil manquent. Côté développement, bon, bah, il y a des euh, bricoles. Peu importe. Euh, C'est de la mise à jour, j'en ai déjà parlé, on va pas euh, rentrer dans les détails. Si vous voulez qu'on parle un petit peu de, de choses comme ça, bon, on pourra en parler. Euh, pour répondre rapidement à la question du sous-marin par défaut de Max Stadia, il suffit de faire un Fedora version. Il euh, y a une page spéciale sur euh, Wikipédia. Il y a une page spéciale sur Wikipédia. Voilà, liste des... Oh, encore dit. liste des versions de Fedora. Et pour chacune des versions, je crois qu'on a une capture d'écran. Ah non, on n'a pas de capture d'écran. Euh, il, il me semble que c'était Verne. À vérifier. Fedora 16 Verne. Euh, qui, 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 qui a déjà été utilisé sur mon PC. Hop, alors, je ne sais pas pourquoi il me met euh, Amélie. Là. Euh, okay, voilà, c'est celui-là. J'ai encore dit, n'oubliez hein, pas. De noter un petit coup. Donc le sous-marin, c'est Fedora 16 Verne. J'ai quand même, j'ai quand même une mémoire qui est quand même assez énorme. Donc là, c'est cool, Fedora 16 Verne, très bien. Euh, ici, donc Fedora, on a parlé, rien d'extraordinaire, très bien. On va partir sur Ubuntu, Ubuntu 20.10. Alors, j'ai regardé rapidement ce qu'il y avait de, euh, de nouveau dans Ubuntu 20.10. Pour rappel, Ubuntu 20.04, c'est la dernière version stable en date, et, euh, et c'est une version LTS. Donc en principe, qu'est-ce qui se passe et bien Ubuntu, la version qui arrive après, ils ajoutent des nouveautés pour essayer de stabiliser toutes ces nouveautés pour la future LTS un an et demi après. Sauf que, j'ai failli le dire, mais je ne l'ai pas dit. Sauf que là, il euh, n'y a pas grand chose de nouveau au final, parce que si on lit ce que dit Next Impact, bon, bah, c'est bien. Euh, beta d'Ubuntu vient de sortir, donc c'est sorti euh, aujourd'hui. Là, j'ai lu ça vite fait euh, pendant ma pause repas de un quart d'heure ce midi. Et euh, chez Ubuntu, il ben, n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Ça veut dire que là, ben, euh, on a des nouveaux logiciels, très bien, donc tout se met à jour. Après. Euh, il y a rien d'extraordinaire, vous voyez, c'est marqué euh, ne bouleversera pas les habitudes. Il y a un nouveau fond d'écran, nouvelle version, mais pas de nouvelles techno. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Btrfs. Bon, en même temps, c'est normal, ils sont passés sur XFS, euh, ils ont introduit XFS il y a pas longtemps, donc ils vont pas partir sur autre chose tout de suite. Donc pas de Btrfs, pas de Wayland, bon. On reste dans un truc où c'est juste une mise à jour. Donc là, il bah, y a la liste, il hein, faut, faut être abonné ici, évidemment Mais euh, bon, nouveauté de gnome, tout ça, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Si on va aller voir du côté de Clubix qui nous dit un peu, ouais, je suis d'accord. Donc on a quoi bah, on n'a rien quoi. On n'a rien d'extraordinaire. Alors, bien sûr, je vais lancer mon ami VirtualBox. Et comme vous le savez, j'ai plein 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 de machines virtuelles ici, vous voyez Et je vais lancer la Ubuntu. Et oui, parce que j'ai une machine virtuelle Ubuntu. Et dans un certain nombre de machines virtuelles, j'ai toujours euh, des versions de développement, pour voir un peu comment ça marche. Et la Ubuntu en fait partie, c'est une version de dev. Autant la Linux Mint, c'est une version stable, la Ubuntu, c'est une version dev. Donc, on est dans une Ubuntu 20.10. Et euh, bah vous allez voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, en attendant que Ubuntu démarre, Effectivement Jérôme, j'ai l'impression d'être encore dans le rush du boulot. Effectivement, Bastatube, ça ne casse pas trois pattes à un. Là Ubuntu 20.10. Effectivement. Ok. Je vais dire ok, hein. je, vais changer, euh, je vais changer le nom de, du mot magique. Vous voyez, il y a Ubuntu sur Wayland, Ubuntu. Et dans l'article de, de Next Impact, il dit que, bah, ils disent qu'il bah, n'y a pas de Wayland par défaut. Bon, bah, vous allez voir que ici, waouh, tada Eh bien, on a une Ubuntu et que ça fonctionne avec Wayland. Donc, je ne sais pas pourquoi ils disent euh, quelque chose. Ah, bah, c'est bien, vous voyez mon adresse mail, c'est cool. Donc, dans à propos, ici, vous avez... Euh, non, ce n'est même pas une version de dev. On a Wayland. Donc, si on essaye de faire un Hop, pt update, il me semblait que j'avais mis une version de développement. Mm -hmm. Non, je n'ai pas mis de version de développement. Eh bien, on va passer en version de développement, mais il n'y aura rien d'extraordinaire, finalement. Donc, ça sert à rien, en fait. On va peut-être refermer la machine virtuelle. Bon, c'est pas grave. Euh... J'aime pas trop le bureau Ubuntu, c'est pourquoi j'ai préféré installer Linux Mint. Je suis tout à fait d'accord, Storms. Après... Tu regardes sur Ubuntu, bon, euh, Ubuntu, c'est Ubuntu, ok, c'est l'apparence Unity avec Gnome, Pff, rien d'extraordinaire. Euh, comment dire Linux Mint, c'est plus traditionnel, ça fait un peu plus Windows, tu sais, avec la barre en bas, le menu, bon, ok, on écoute. Ok, je vais dire ok, pour éviter de dire le mot, vous voyez, j'essaye quand même de, de, de me retenir. Donc côté bon, côté, euh, côté Ubuntu, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc si vous avez envie, hein, si vous avez envie de passer sur la version de développement, vous vous dites, tiens, j'ai une machine virtuelle, j'ai envie de passer sur une version de développement de Ubuntu. Comment on fait Eh bien on fait euh, sudo, do release upgrade, hein, j'en profite pour vous le montrer. Donc do release Upgrade, c'est l'utilitaire qui vous permet de faire une mise à jour. Voilà. Ah, je l'ai dit Recherche d'une nouvelle version. Donc là, il nous propose rien du tout. Vous avez l'option euh, d' qui permet de passer sur une version de développement. Et là, ça ne fonctionne pas. Donc, ok. Et là, par défaut, il nous met des fois que des versions LTS ou que des versions pas LTS. Donc là, il y a la possibilité de changer une petite variable dans ce fichier. Mais vu que ce soir, je fais tout à l'arrache, et eh ben, ça va être compliqué de vous faire une mise à jour comme ça là de euh, Ubuntu. Donc on va aller ici. On va essayer de faire. En fait, je me demande pourquoi je fais ce live parce que j'ai rien de préparé, mais vous êtes là, donc euh, posez-moi vos questions. À la limite, hein, on va faire comme ça. Ça va être un live. Oh, je vais même pas le laisser en ligne. Ce live, tellement il est, il est minable en fait. Je sais pas. Un truc de fou. Donc ici, va prévenir lors d'une nouvelle version disponible. On va mettre pour chaque nouvelle version. On met le mot de passe de la balle qui tue. Un caractère, c'est trop de la balle. Et voilà. Alors, on peut parler du projet. Ubuntu Deepin Desktop. Alors, euh, Ubuntu Deepin Desktop, je me demande si j'en ai pas parlé. Si j'en ai parlé déjà. Non J'en ai pas parlé euh, J'en ai peut parlé. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit Je sais plus ce que je dis moi. On va aller ici. On va taper Deepin. Sauf que quand on tape quelque chose, ça marche pas. Deepin. J'en ai pas parlé de, de um, Ubuntu Deepin Je sais pas si, si j'en ai parlé. Non J'en ai pas parlé hmm. Mmh, mmh. Non j'en ai pas parlé Donc ce qui peut se passer en fait Je suis persuadé d'en avoir parlé De cette Ubuntu Remix. Je pense que ce qui a dû se passer J'ai dû enregistrer une vidéo à ce sujet Et j'ai dû trouver le truc tellement nul Que je me suis dit bah, c'est tellement nul Que je vais pas, euh, je vais pas Publier euh, la vidéo ça, ça m'arrive. Des fois, je fais une vidéo. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va être cool. Je commence à essayer de me dire, tiens, je vais le présenter tout ça. Et puis, euh, en fait, soit l'enregistrement, il se passe pas bien, soit il y a vraiment des gros bugs. Et puis, je me dis, bah, ça sert à rien de présenter un truc qui marche pas, quoi. Donc, je fais rien. Donc, j'en profite pour saluer euh, Nintendo SMB, là, qui me dit, euh, salut. Et eh ben, ça va, ça va. Bienvenue à toi. Euh, je viens de voir une vidéo qui dit du bien de OnlyOffice. J'ai téléchargé le app image pour voir si c'est vrai et c'est quand même plus attirant que LibreOffice visuellement. Alors c'est plus attirant que LibreOffice visuellement, par contre dans la pratique, voilà. J'ai encore dit, notez, mettez un petit bâton. Alors pour 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 Storms et pour Storms et Jérôme, j'ai hâte de voir le Raspberry et surtout le p Hole. Donc ça, ça parle de Raspberry. Et Storms me parle de Raspberry. Pour savoir si j'ai reçu mon Raspberry. Alors sachez que, on va aller sur Amazon. Je n'ai pas encore commandé le Raspberry. Il est probable que je le commande, j'ai dit, euh, courant novembre, parce que j'ai absolument pas de temps pour euh, consacrer euh, pour le moment à, à des loisirs informatiques, je veux dire, en dehors du boulot. Et euh, c'est pour ça déjà qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. Et en fait, je me dis, bah, quitte à commander le Raspberry, autant attendre un petit peu quand même et le commander au dernier moment, de manière à ce que bah, la garantie commence au moment où je l'achète. La, ça, ça évite d'avoir un, un truc qui traîne dans le carton. Donc pour le moment, je n'ai rien euh, commandé du tout. Ça arrivera au mois de novembre. Je me dis peut-être qu'avec le Black Friday, il va y avoir quelque chose qui va euh, peut-être quelque chose qui va faire que ça coûte moins cher. Alors, je vous le dis tout de suite dans les projets du Raspberry. Là, on va aller. Donc je vais taper euh, Raspberry 4. Mm -hmm. Vous voyez, j'ai dit... Mm -hmm. Ici, il y a un super pack euh, qui est euh, attirant. Je l'ai vu, euh, vu là, on en a parlé au boulot. Il semblait attirant ce pack, mais en fait, je me dis que j'ai l'objectif, quand même, à la base, d'installer Gen2 là-dessus. Donc, je vais compiler. Et en fait, je ne me vois pas avec un petit boîtier comme ça, ici, euh, compiler, et je pense que ça va chauffer de trop. Donc, côté, euh, côté euh, boîtier, je me disais qu'il y avait le, le GeekPi. Alors. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le Raspberry, ça va être pour m'amuser. Il ne va pas rester allumé H24, à servir pour de la domotique, à servir du serveur multimédia, à l'utiliser, je sais pas quoi. En fait, je ne vais pas le laisser allumé H24. J'ai envie de m'amuser avec ce Raspberry. Et donc, euh, que j'ai un boîtier comme ça, là, comme le GeekPi, euh, qui. Euh, alors, je vais accepter les cookies. Que j'ai un boîtier comme le GeekPi, comme ça, là, qui, 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 bon, qui refroidit très bien, mais qui fait du bruit. Au pire, je m'en fiche parce que je vais pas euh, je vais pas le laisser à lui. Si je voulais un truc silencieux, j'installerais pas des trucs qui vont compiler. Donc peut-être que je prendrai ce genre de boîtier. Je sais pas ou peut-être que euh, je vais prendre ce boîtier-là et puis si jamais je me dis un jour bah tiens, j'ai envie de garder le Raspberry, euh, peut-être que j'achèterai un boîtier euh, sans ventilateur qui fait moins de bruit et puis je l'utiliserai pour autre chose. Si euh, si en fait je vais faire des vidéos avec le raspberry et il est possible que je me lasse parce que je sais pas je, je... l'esprit raspberry me donne envie mais j'ai l'impression sans avoir le, le truc sous la main j'ai l'impression que je vais m'en lasser assez vite donc si je commence à faire une playlist raspberry et puis que je vois que je me lasse assez vite du produit et eh bien peut-être alors, ce sera pas pour euh, décembre. Hein. Je pense que si je l'aurai au mois de novembre, je m'en serais pas laissé au mois de décembre. Mais peut-être que plutôt que de me séparer du Raspberry, le vendre sur le bon coin ou autre, peut-être que je me dis, je le euh, ferais peut-être gagner dans un live, je sais pas quoi, à quelqu'un, histoire que ce soit pas jeté et puis que euh, ce soit pour quelqu'un qui en ait besoin. Voilà. Bon, je me serais amusé peut-être, euh, je sais pas moi, euh, six mois, un an avec le Raspberry, j'en aurais plus besoin. Bah autant le filer à quelqu'un que ça intéresse. Pourquoi pas ce sera sans doute dans la, dans la playlist Raspberry. Bon, enfin bon. Euh, je sais que. Il faudrait que je regarde parce que j'ai essayé de regarder sur la chaîne de Blabla Linux, mon ami Blabla Linux. J'ai essayé de regarder parce qu'en fait. Euh, il avait fait à un moment donné, mais je ne sais plus quelle raison pourquoi il avait arrêté, il avait fait gagner des SSD à un moment sur sa chaîne, et puis à un moment il avait fait une vidéo, mais je l'ai pas retrouvée, qui disait ⁇ oui non j'arrête parce que j'ai eu des problèmes, et je voulais savoir en fait quel problème il avait eu, et je ne retrouvais plus sa vidéo, euh, parce que je me demande s'il n'avait pas eu des soucis avec justement ce genre de truc sur sa chaîne. Donc je voudrais être un peu méfiant avant de faire ce genre de truc sur la chaîne. ⁇ voilà. Et j'ai encore dit le mot magique qu'il fallait pas dire, donc notez un petit coup sur le calendrier, enfin pas sur le calendrier, sur le calpin. Oh là là, il est fatigué, c'est pas possible. Je crois que ce, non, je crois qu'en fait il y aura pas de replay pour ce, c'est quoi qu'il parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais cependant vous êtes 111 à regarder ce, ce magnifique live, c'est fabuleux. Donc salut à Timothée qui me remercie euh, pour euh, la chaîne, donc c'est gentil, merci. Merci à toi euh, d'être là et de venir ici. Euh, pour, pour le Black Friday, je vois le message de Fabrice pour le Black Friday. On verra, peut-être qu'il y aura des super promos hein, pour le Raspberry, puis j'en profiterai pour, pour acheter ça. Et euh, voilà, pourquoi mon, encore mis, le mot magique. pourquoi mon écran est flou Non, l'écran est net, c'est bon. C'est l'écran net. Donc le Raspberry pour un serveur d'appoint, moi j'ai préféré hein, pour le serveur qui à la maison, qui, qui propulse le miroir Linux Trix qui bon il y a plein de trucs dessus j'ai mon cloud perso j'ai préféré acheter une petite machine une petite machine avec un Intel 64 bits traditionnel parce que bon je suis encore un vieux qui aime bien euh, on va dire son ce, voilà moi je un PC c'est bien euh, le Raspberry c'est un peu inconnu ok ça semble un peu bizarre de la même manière qu'au boulot on travaille avec de la machine virtuelle du conteneur mais on n'a pas de Docker vous voyez je suis un peu encore un peu ancienne euh, Ancienne méthode, salut à SO, salut à Jérémy qui arrive ici. Alors le Raspberry, qu'est-ce qu'il nous dit Temet, Il nous dit que le Raspberry, je ne le bidouille pas. Par contre, c'est mon Media Center et j'en suis très content. Alors c'est possible peut-être euh, de voir ce que ça peut donner en tant que Media Center. Il euh, faudrait que je vois comment on peut mettre ça sur la télé. Aujourd'hui j'ai un disque dur USB avec euh, des, des vidéos dessus et puis euh, la, la télé lit comme ça. Je n'utilise pas d'HDMI, tout ça. Euh, je suis à l'ancienne, moi. Disque dur et euh, branché dans la télé. C est, c est... Si, euh, si c'est flou là, au niveau de l'image, la, de la, de essaie de, de, de vérifier que tu es bien en, en 1080p. Ça, ça peut arriver. Donc merci à Francis. Ouais j'ai vu euh, que tu m'as mis un petit mot euh, Francis sur, euh, sur la dernière vidéo sur Fedora. Euh, je me demande si tu m'as pas posé une question. J'ai validé le commentaire tout à l'heure et faut que je réponde. Faut que je réponde. Euh, et puis je vois un salut Serge, mais j'ai pas vu Serge. Qui c'est qui a vu Serge Ah ouais, non, c'est Serge. Hum. Je m'attendais à Serge, vous savez le petit le, le, le chien là, Serge bah, de Gentoo qui a fait des lives avec moi. Mais salut Serge quand même. Est-ce que c'est possible de faire comme DNF pour le check des miroirs plus rapides sur Debian Alors sur Debian, je vais répondre à la question. Sur Debian, je ne suis pas sûr que ce soit possible. En fait, sur Debian, ça fonctionne comme sur Ubuntu, Tutu, que je remets ici. Euh, ça fonctionne de cette manière, il n'y a pas la possibilité de euh, vérifier les euh, miroirs les plus rapides. Donc le seul truc que tu peux faire, c'est d'aller ici dans le gestionnaire de mise à jour. Alors sur Debian, il y a le même genre d'outils. Donc, vu qu'il y a le même genre d'outils, regardez qu'est-ce qu'on va faire. Je vais dégainer une Debian. Euh... Non, je ne vais pas dégainer une Debian parce que si je vous démarre la Debian ici. Euh... Si, je peux vous démarrer la Debian parce que j'ai déjà fait la vidéo. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pas fait déjà la vidéo qui parle de ça Mais non, c'était pour parler de la Debian Seed. Donc, vu que... vu que. Hop là, je vais éjecter ça. Vu que j'ai déjà parlé de la Debian Seed. Je peux vous lancer. Je pensais euh, faire un trou dans le suspense. Sur Debian, il y a un outil pour gérer les miroirs, mais euh, c'est comme Ubuntu. En fait, tu n'as que la possibilité ici, dans les paramètres, ça doit être le même outil, dans. Euh, c'est où Logiciel, voilà, télécharger. Tiens, tu peux encore noter euh, le mot voilà, je l'ai encore dit. Télécharger depuis autre, et là, euh, tu as la possibilité d'avoir la liste des miroirs, et tu as un bouton qui s'appelle Sélectionner le meilleur serveur. Et là, il cherche le meilleur serveur, mais en fait, il cherche le meilleur serveur. Vous voyez là, euh, le meilleur serveur, c'est quoi C'est ES Mirror, machin, c'est un truc en Espagne qui me prend. Alors là, j'ai du mal à croire que euh, le meilleur serveur il est en Espagne. Ce qu'on va essayer de faire, on va faire ça. Je vais mettre le serveur et on va faire un sudo Dn... euh, dnf, apt. apt, apt full upgrade. Et on va essayer. Alors apt update. On va voir si le, si le miroir il envoie du cassoulet. Hein. Je vais grossir un peu tout ça. 7 méga, bon. Mm -hmm. On va voir ce que ça donne. Salut à Romain. Hop. Up, full upgrade. Bon, il n'y a pas grand chose à mettre à jour. Oh ouais, ça va assez vite. Pas mal. Ben, L'outil, il a l'air de faire un truc bien ça. Ici. Téléchargé depuis... Et puis tu cliques sur le sur le sélectionner le meilleur serveur. Alors on va vérifier tout de suite si 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 on si si je suis en forme on dirait pas heures on que j'ai dormi que 5 heures on va regarder donc ici je crois que c'est le même outil hein, sur Debian. Ils n'ont pas réinventé la roue hein, chez, euh, chez Ubuntu. Alors par contre l'outil il ne se lance pas. Source. Source. Ah si, voilà. C'est le même C'est le même. C'est exactement le même. Donc ici, voilà, moi je me mets toujours sur S-Lingen. Notez deux bâtons, hein, je l'ai dit deux fois. Select best server. Et donc là, on va voir ce qu'il va me choisir comme serveur. Qu'est-ce qu'il va me choisir comme serveur Je ne sais pas. On va voir. Ici. Alors, je vais reprendre les questions. Je vais reprendre les questions. Je vais répondre à. L'âge du Cantal, est-il possible d'avoir un même swap pour plusieurs distributions Oui, à seule condition, c'est que quand tu installes la deuxième distribution, tu ne formates pas le swap, évidemment. Sinon, tu vas avoir des petits soucis. Bon, là, il me choisit un serveur français. Je choisis le serveur Debian de France. Cool. Ça, c'est pour le swap. Euh, pour Jérémy, à quand un live sur OpenLDAP, si je connais Alors, le LDAP, c'est compliqué. Le LDAP, c'est Active Directory ou rien. Euh, Je n'ai pas vu beaucoup de structures, de sociétés qui utilisent du open, enfin, du open LDAP. Les gens qui vont utiliser du LDAP, ça va être Active Directory, donc Windows, ou éventuellement le LDAP qui est fourni directement dans les NAS Synology. Ça arrive, ça. On peut installer un serveur Open LDAP dans Synology, mais on a une interface web pour administrer le truc. C'est assez cool, mais euh, du OpenLDAP, euh, j'en ai fait juste par curiosité et en fait j'ai même pas eu envie de faire de j'ai même pas eu envie de faire de, de tuto sur Linux Rix ou en faire de vidéo parce que c'est tellement un truc qui pour moi s'utilise quasiment pas que j'en vois pas trop l'intérêt et c'est un, un peu spécifique J'ai déjà deux vidéos sur du domaine assez pointu sur de l'administration de, de services sous Linux que j'ai envie de faire. Et puis, euh, je me dis, bah, les articles sont faits, j'ai juste à en faire une vidéo, mais je n'ai je, pas de temps. J'ai pas de temps pour faire les vidéos. Ah, bah Cyril, tiens, Cyril qui arrive là. Cyril, voyez le Cyril là qui me dit, as-tu déjà testé la mise à jour de Gnome 338 Vous voyez ce Cyril qui parle là C'est celui qui m'a fait l'intro de C'est quoi qui dit et des nouvelles vidéos de euh, YouTube. Pour ceux, qui... Donc, pour ceux qui veulent savoir euh, avec quel logiciel c'est fait, bah, il suffit de demander à Cyril parce que je ne sais pas quel logiciel il a. Utiliser. voilà eh, Vous remarquez, je n'ai pas dit le mot euh, magique. Hein. Donc, finalement, on parle de GNOME euh, 3.38. Alors, qu'est-ce qu'on fait On se fait euh, la mise à jour du, euh, du Ubuntu en Ubuntu de développement ou est-ce qu'on fait sur euh, Debian je, euh, je vais regarder quand même avant, vite fait, si on a sur Debian SID. Est-ce qu'on a euh, GNOME 338 Si on l'a, je vous fais la démonstration en direct sur la machine virtuelle de Debian. Debi euh, GNOME Shell. On va regarder ici. Debian Teed. Wow GNOME 338. Allez, let's go. Je rallume la VM de Debian. Donc là, vous voyez, j'arrête toujours mes VM à l'arrache comme ça. Et je vais lancer la Debian Guy. C'est parti. Et comme ça, on va voir s'il y a de la case avec le GNOME. N'est-ce pas donc on va faire le test, tiens. Vu que je ne savais pas quoi faire ce soir. app aussi pour le LDAP. Cool. Alors, j'en étais où Il y a souvent des ballons dans tes fonds d'écran. Ouais, j'aime bien les ballons. J'aime bien les ballons et les canards. Euh, pour installer Gnome sur Ubuntu, j'en ai parlé. J'en ai parlé. Un gnome original. Hein. Tu vas sur LinuxTrix.fr. Je vais même te mettre le lien dans le chat ici. On va taper gnome et j'ai fait un article restaurer le gnome vanilla testé sur Ubuntu euh, 20.04, ça fonctionne très bien. Donc je te mets le lien ici. Zoup, et voilà. Euh, et puis je vais réduire ça pour agrandir ça et on va faire la mise à jour avec gnome. Et... Souvent on me demande si je compte faire des vidéos sur FreeBSD, OpenBSD, ce que vous voulez BSD, non, c'est pas au programme, je ne parlerai pas de BSD, ce n'est absolument pas prévu. Je parle de temps en temps de, euh, comment il de Windows, mais je ne parlerai pas de BSD. Donc forcément, je n'ai pas d'avis sur FreeBSD. Merci pour l'abonnement. Et donc ce qu'on va faire, on va faire un apt update. Et donc on se trouve sur le FTP Debian qui est tout pourri que je n'aime pas. Donc on va reprendre ici logiciel. Alors on avait dit source. Je vais prendre le miroir que j'adore, que je surkiffe et que qui est super rapide pour moi. Et là on a beau avoir les outils automatiques de Debian, je suis désolé, je vais le contredire pour prendre mon petit dépôt favori Slingen. Il a failli le dire. Appliquer, actualiser. Des vidéos sur Heard, euh, c'est pas prévu non plus. C'est pas au point, ce truc-là. Sachant que je fais quand même des vidéos. Je fais des vidéos sur Linux parce que ça me plaît évidemment. Je fais quelques vidéos qui me sont demandées sur des thèmes qui me sont demandés. Mais. S'il fallait que je fasse que des vidéos, moi, hein, s'il fallait que je fasse que des vidéos pour moi, pour me faire plaisir, les seules vidéos qui me feraient plaisir, c'est de parler de Fedora et de CentOS. Sauf que bon euh, il, faut, euh, il faut faire plaisir à tout le monde. Donc vous voyez, je parle un peu de. Je parle un peu de, de Ubuntu, je parle un peu de Linux Mint, j'essaye de. J'essaye de, de. Voilà, de parler un peu de, de tout ce qu'il faut. Alors là, on a les outils graphiques à la con que je n'aime pas, on est d'accord. Ok. APT Update. Vous voyez pourquoi j'aime bien l'interface graphique Parce que ça marche à tous les coups. Et là, on va faire un APT Full Upgrade. Donc on va nettoyer la console. APT Full Upgrade. Woohoo Donc il va me récupérer 915 mégas dans les archives. Et ça télécharge à combien Et Slingen -ce, ce soir Bon, je fais un live, hein. Ah, 13 m au seconde, ouais, effectivement, effectivement, c'est pas le plus rapide pour ce soir. Alors, il y a, y a notre ami euh, OneRim, one, one je vais y arriver, OneRim. Les serveurs d'Allemagne, ça dépote même à Lyon, pas qu'à Dijon. Effectivement, je sais pas ce qu'ils ont, euh, Esslingen, mais c'est un miroir qui va euh, super vite. Bon, là, c'est euh, le contre-exemple aujourd'hui. C'est juste qu'ils sont plus optimisés et qu'ils ont une grande bande passante. En fait, tu sais comment je, je sais que Esslingen il va vite En fait, c'est grâce à un outil de Mageia. En fait, Mageia, à l'époque où j'utilisais Mageia, ils ont un magnifique site qui s'appelle Mageia Mirror Database. Mais souvent, 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 on a les mêmes miroirs. Ça veut dire que Distrib Coffee, là, IPSL Jussieu, il, il héberge plein de distributions Linux. Là, il y a Mageia, mais il y a Debian, Fedora, Gentoo, tout ce qu'on veut. Et en fait, ce site, il est génial parce que il te permet de trier par pays, de trier par euh, protocole, mais surtout, il y a le bandwidth ici. Et en fait, quand tu regardes le la, la bandwidth, là, et que tu regardes Esslingen, il, euh, il, a, il, a, il a ici un débit de 10 gigabits. Donc, forcément, c'est un miroir qui déjà a une bande passante de dingue. C'est celui qui a la meilleure bande passante. Donc il y a beau avoir euh, un certain nombre de miroirs qui se synchronisent dessus. Mais ben, 10 gigabits, ça envoie. Ça envoie. Donc ça, c'est assez cool. Il y a lui qui envoie. Il y a celui-là, mais bon, il est en Australie, donc il est un peu de l'autre côté, c'est pas terrible. Il y a FTP Free, il est pas mal, 2 gigabits. Et puis, il y a celui-là, faux.de, pas mal aussi, 2 gigabits. Ça, c'est aux états unis donc il faut traverser l'Atlantique, c'est pas terrible. Ici, on en a en Pologne, celui-ci, mais je ne connais pas celui-là. Mais voilà, Magia. Il ne doit pas héberger grand chose celui-là. Ah ouais si, quand même. Pas mal de trucs quand même. Donc voilà, ce site il est pas mal, vous pouvez noter encore que j'ai dit un voilà. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien ici. Parce que si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur les miroirs, eh bah, ben c'est possible. Donc cet outil, il est cool. Il est cool. Hop. Je vais remonter un petit peu. Je vais voir tout ce que tout le monde dit. Euh Windows et Pop OS, j'ai vu le truc de fou, ok, alors ça parle un petit peu ensemble, et pour Solus, pour Solus, qu'est-ce que tu m'as demandé pour Solus, alors, Serge avec le petit bonhomme orange, m'as-tu posé une question que j'aurais zappé, thanks, alors, hop, je vais remonter, pourquoi ton écran est flou Oh, as-tu une vidéo À ah, quand une vidéo installe sur Solus Ah, bah ben voilà, il fallait que je remonte. Donc, pour la vidéo sur euh, Solus, j'en ai parlé une fois, ça n'a pas dû changer beaucoup. J'en ai fait un C'est quoi qui dit, même, de mémoire. Ici, C'est quoi qui dit 13. J'ai fait ça il y a deux ans. Il y a deux ans, il n'y avait pas grand monde qui regardait les vidéos. Et donc, il n'y a que 907 vues. J'ai fait ça en juin 2018, donc il y a deux ans. Personne commentait, évidemment, parce qu'il n'y avait personne il n'y avait pas de timeline avec tout ce qui va bien mais je parlais de quoi et eh ben je parlais des distributions je parlais de l'installation je pense que ça n'a pas beaucoup changé après Solus j'en ai pas vu un grand intérêt donc bon j'ai pas continué à euh, regarder comment ça fonctionnait enfin bon, c'était pas euh, c'était pas un truc qui m'avait un peu emballé euh, Solus donc je suis resté euh, là dessus puis je suis pas allé voir ce qui se passait euh, par la suite. Ensuite, question suivante. Je vais remonter parce que sinon je vais oublier les questions. Donc, salut à Julien qui arrive, enfin qui a dû arriver. Euh, on a Romain qui nous a dit. J'ai plusieurs disques durs dans mon PC, mais quand j'allume mon PC, il n'y a que le disque où j'ai installé Debian qui est monté. Est-il possible de monter directement les autres disques dès l'allumage Oui, il suffit de modifier le fichier FSTAB. Une petite recherche sur, 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 sur la chaîne. Et ici, tu tapes FSTAB, 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 et tu vas tomber sur la chaîne, enfin sur la vidéo qui s'appelle Explication sur le fichier FSTAB pour comprendre toute la structure et... Linux accéder à ces dossiers dans des Windows et montage automatique. Tu peux prendre cette vidéo là et en fait j'explique comment monter une, une, un disque Windows, mais tu peux prendre tout à fait avec des partitions Linux, ça fonctionne de la même manière. Je l'avais fait avec Windows pour la simple et bonne raison, c'est que le système de fichiers NTFS est un petit peu spécifique, mais ça fonctionne avec Linux de la même manière. Euh, ça saute chez moi. Pour Julien, ce qui me dit, sais-tu. Oh là là, vous parlez trop, ça va trop vite, ou c'est moi qui suis trop lent. Sais-tu sur quelle Fedora sera basée la prochaine version de Red Hat CentOS La 33 qui va sortir, je ne sais pas. Euh, on va faire un petit truc, on va faire Fedora, liste des versions. On va le faire à l'arrache, comme ça, pour donner une approximation, mais. Ici, tu vois. Fedora 27-28, les deux là, elles ont servi de base à la CentOS et Red Hat Enterprise Linux 8 qui. Euh, qui, 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 euh, qui, qui, Red Hat Enterprise Linux. On va, on va faire, une, on va faire une, une extrapolation. Ici, on va prendre RHEL 8, ici, donc elle est sortie en mai 2019. En mai 2019, elle est basée sur la Fedora 27-28. Donc tu vois, une Fedora qui a un an et demi avant. Ici, Red Hat sort une version tous les 5 ans. Donc en 2024, on va avoir une nouvelle Red Hat. Donc en 2024, en mai 2024, ils vont se baser sur quelque chose qui sortira en mai 2023. Et donc en mai 2023, qu'est-ce qu'on aura ben, On aura une Fedora, euh, je ne sais pas, il faut rajouter ici. Un certain nombre de chiffres, mais probablement, on sera basé sur une Fedora du style euh, 36, 37, quoi, hein, je pense. 36, 37, le numéro du téléthon, évidemment. Ce qui n'a strictement rien à voir, mais j'avais envie de sortir cette blagonette. Ah, le son a eu du mal à venir. Je vais revenir à ma Debian là. Ok, ça s'installe. On va tester cette euh, cette mise à jour vers GNOME 3.38. Donc ici, si je vous lance ça oh, attendez je vais faire un truc c'est des trucs bizarres là hop j'en ai juste pour deux secondes ah oui ok j'ai compris je vais revenir ici hop je remets le terminal Oh là 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 là, il a du mal hein ça, il a du mal. Youp, je remets ça ici. Ça va arriver avec la bonne résolution. Nickel. Si on va là dans Z à propos. Vous voyez, on a déjà le gnome 338. C'est pour ça que ça merdouille un petit peu, parce que pour le moment j'ai la moitié du gnome 336 et la moitié du gnome, 3... du gnome 336. Tout est en train de se mettre à jour. Alors, merci euh, Landarf pour euh, le petit message. C'est sympathique. Donc si ça saute, c'est que la connexion est peut-être pas bonne. Cependant, il me dit que... Il me dit quoi, monsieur YouTube? Le débit binaire actuel du flux. 12 540 kb est supérieur au débit. Au débit, je ne sais pas quoi. Donc visiblement, il y a ce qu'il faut. Niveau débit, pas de problème. Ah mais je suis bête. Parce que... bah non, il a fini de télécharger là. Donc non, j'ai rien dit. Alors pour Solus, euh, on peut demander directement aux devs d'ajouter des applications. Oui, ça c'est cool. C'est le problème d'une petite distribution. C'est qu'on peut solliciter rapidement les développeurs parce qu'ils sont juste dans le coin, ils sont sympathiques, c'est une petite communauté. Le problème c'est que euh, ben euh, ils peuvent être un peu débordés si on leur demande plein de trucs alors qu'ils sont pas nombreux. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser un kernel 5.4 facilement sur une LMDE 4 hein, sans tourner avec des PPA ou des trucs exhaustifs risqués Alors, il me semble qu'on a un kernel 5.4 hein, sur, un, sur une LMDE. Je dois avoir une LMDE sous la main, là Non Non, j'ai que... Ah si, regardez, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout, j'ai plein de VM. J'ai plein de VM et euh, toutes ces VM, je les garde sur le long terme. C'est ça qui est cool. Donc là, tu me demandes une LMDE, on va regarder. Mais il me semble que la LMDE possède un... Hop, je fais un petit E... On ne voit pas la version du noyau. Non, alors je vais démarrer quand même. Non, noyau. Ah, noyau 4.19. Si, un noyau 4.19. Eh bien écoute, on va voir tiens, si on peut avoir un noyau 5.4. Mais normalement, je redegaine Vivaldi. Si on tape Linux image. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. 4. Non, 5.4. 5.4. Alors, 5.4, est-ce que j'ai un truc un peu moins... Euh, 5.4 générique ça à mon avis c'est du ubuntu hein. mm -mm. linux image on va regarder chez Debian mais je me demande s'il n'y a pas ça dans les backports alors je vais voir ici Debian 10 419 419 419 non il n'y a pas de 5.4 il n'y a pas de 5.4 donc je sais pas comment on fait je sais pas comment on fait aucune idée aucune idée. Je pense que vaut mieux rester sur le 419 s'il marche bien. Si tu veux un noyau plus récent, changer de distribution, c'est mieux. Pour la question du système Synology FreeNAS, tout ça, j'en ai aucune idée. Euh, toc. Oula, alors qu'est-ce qui se passe là Celui-ci est indépendant, super, c'est cool parce que... Vous regardez tout ça. Alors pour Hamza, là, tiens, je remonte un peu dans les, dans les commentaires. C'est quoi ma formation Alors pour ma formation, si tu veux tout savoir sur moi, ou presque, euh, sur ma formation et euh, sur ça, en fait, si tu veux savoir des choses sur moi, eh ben, il y a une magnifique vidéo, alors qui n'est pas ici. Tu tapes Adrien sur ma chaîne. Et tu vas tomber sur Pam, 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 qui est Adrien Linux Trix, réponse aux questions, contribution, études, travail. Donc souvent on me pose toujours les mêmes questions, euh, quelles sont euh, mes études, quel est mon diplôme, quel est ci, quel est ça. Donc tu vois, ici dans cette vidéo que je vais copier et coller dans le chat, je parle de la vie perso, tu as vu ça dure euh, 8 secondes, de mes études, Rapidos, certification. Mon métier, l'informatique chez moi. Ouais, parce que des fois, on me dit, ouais, dis donc, euh, tu as quoi comme euh, système et tout à la maison Bon, ok. Donc, il y a à peu près tout, je pense, que tu veux savoir là-dedans. Je pense que tu as toutes les réponses ici. Euh... Donc, encore merci pour ta vidéo sur l'article complet sur APT. Cool. Donc, si APT, ça t'a plu, c'est génial. Sachez que j'ai fait une série de vidéos sur DNF, commande de base. Quelques commandes utiles et personnaliser le comportement de DNF. On m'a demandé dans cette dernière vidéo. On m'a demandé dans cette dernière vidéo si je pouvais faire la même chose pour APT. J'ai pas eu le temps de répondre, j'ai validé les commentaires. Je vais répondre ici. Oui, je vais peut-être la faire. C'était pas prévu. J'avais parlé juste de APT euh, une fois. Là, j'ai parlé de Arch, de Debian. Et je me suis dit peut-être que je ferai euh, une personnalisation de APT, mais en fait, euh, j'invente rien du tout. Euh, J'utilise ça pour euh, pour faire ma base de vidéos. Donc probablement je ferai une vidéo autour de l'article que j'ai déjà écrit qui s'appelle Gestion des logiciels avec APT. Donc la vidéo, il y avait tout ce qui était là, et euh, là on a autour d'APT deux trois petites bricoles. Il faut peut-être que je regarde euh, deux trois bricoles à ajouter, mais en fait pour tout vous avouer. Euh, à la, au travail et à la maison, ben, on n'utilise pas Debian. On n'a qu'une seule Debian et qui est gérée par un fournisseur. Donc, euh, j'utilise très peu Debian, voire presque jamais. Donc, les commandes de base, je les connais. Par contre, après, euh, de la personnalisation, des fois, je ne vois pas quels sont trop les intérêts et les, les possibilités de, de personnaliser APT parce que je ne l'utilise absolument pas. Wally Alors, hop. Il y a même le noyau 5.8. BTRFS, c'est toujours d'actualité pour euh... Fedora, oui. Merci à Exotic pour son petit message, c'est sympathique de me remercier. Euh... Il y a même le noyau 5.8, c'est sur Debian 11, hein. c'est la future version. BPO, c'est Debian Backports. Voilà, Alors, j'aime bien Manjaro plus XFCE mais je préférais le menu Démarré de KDE, le menu Démarré de KDE, c'est possible d'installer de l'installer sous XFCE Non, c'est pas possible puisque le menu de KDE, il est propre à KDE. Donc c'est pas possible. Par contre, sur XFCE, tu as plusieurs euh, menus disponibles dont peut-être le menu Whisker qui peut peut-être t'aider, il est un peu plus sympathique. Y a-t-il moyen de savoir quel noyau compatible avec quel matériel C'est compliqué. Euh, il faut que. Il faut, si tu veux savoir, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, le problème, c'est que. Euh, le noyau, ce que tu veux faire, en fait, si tu veux savoir exactement si ton matériel est supporté par euh, un noyau défini, tu prends les sources, tu essaies de le compiler et tu regardes dedans. Par exemple, ici, il est toujours en train de me mettre à jour. On va ici aller dans. Exemple, donc j'ai récupéré des sources hein. usr src linux, et donc sur mon système j'utilise le noyau 5.4 66 de Gentoo. Tu donc tu peux récupérer les sources un hein, peu importe. Je vais pas faire ça, ça va pas marcher. Tu peux récupérer les sources, peu importe. Tu te mets dans un dossier et tu fais dans le dossier des sources un mec menu config. Et à partir de là, tu arrives sur le, la partie de compilation du noyau et pour aller voir si tu as euh, du matériel qui est supporté, par exemple une carte réseau, mais tu vas dans Device Drivers, c'est là-dedans qu'il y a tout, et après tu peux aller voir ce qui t'intéresse. Donc dans le cadre du réseau, c'est Network Device Support. Là, tu peux aller dans. Ici, Ethernet Driver Support. Et après, tu peux voir ici euh, toutes les cartes qui sont disponibles. Donc moi, j'ai activé évidemment que la carte qui m'intéresse. Hein. J'ai une Realtek sur mon euh, PC, donc j'ai activé que ça. Mais si tu as une carte, euh, une carte Intel, quelque chose, tu peux ici afficher ce qu'il y a et tu regardes en fait si elle est euh, dedans. Voilà. Mais euh, en gros, ce qui va être intéressant, ça va être surtout... De, de regarder éventuellement si à un endroit, il y a quelqu'un qui a eu le même problème. Et, euh, et tu peux aller te renseigner ici, parce qu'il n'y a, a pas une liste, en fait, tel matériel supporté à partir de telle version. Ce serait trop facile. Mais tu peux aller sur le euh, git... Euh, non, le bug. bugzilla de kernel.org. Je ne sais plus ce que c'est l'adresse, je ne sais plus si c'est bugs. Euh, voilà, bugs. Kernel.org, noté sur le calepin, je l'ai encore dit le mot. Hein. Et puis là, tu peux taper euh, le, le, le modèle de ta carte réseau. Donc ici, si je fais un petit LSPCI-V, par exemple. Donc je vais reprendre le modèle de ma carte réseau. Je ne sais pas où il est. Il faut que je la trouve. Ethernet Controller, voilà. Donc c'est une rtl euh, Hop, Tu cliques, tu cherches sur le... Ici, RTL 8111. Et puis, euh, si tu as un bug du style. Euh, du style, as quelque chose. Euh, d'une nouvelle demande, ouais, c'est que c'est pas encore euh, supporté. Là, ici, euh, on a le nom du pilote. Il y a Oups, donc ça veut dire que c'est déjà supporté pour le noyau 5.3, par exemple. Mais après, il n'y a, a pas une science exacte pour savoir si tel ou tel euh, matériel fonctionne. Mais euh, la plupart euh, du temps. Tout fonctionne relativement bien. C'est prévu que j'emprunte un PC au boulot, un PC sans sur lequel on a installé une Fedora et ça marche super bien. Il faut que je vous fasse un retour d'expérience avec ça, mais il faut que je ramène le portable, il faut que je l'emprunte pour une soirée pour vous faire une vidéo là-dessus sur du Linux sur du matériel récent pour vous montrer que ça marche bien. Je vais essayer de remonter. Alors, j'ai suivi tes conseils. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Razibus. Razibus Zulu. J'ai suivi tes conseils et passé ma Debian en testing, mais mon LibreOffice reste en version 6. Eh bien, le problème de testing, c'est qu'il n'y a pas LibreOffice 7. Il est probablement dans SID, mais pas dans Testing. Puisque LibreOffice. Euh, euh, LibreOffice. Debian Testing, c'est celui-là. C'est le 11. Aujourd'hui, c'est le futur 11. Et si je cherche LibreOffice, oh là là. LibreOffice Writer. Qu'est-ce qu'on a Ah bah si on a LibreOffice 7.0, bah si tu devrais l'avoir alors. C'est bizarre. Alors pour la question de euh, le vrai Dieu, Connais-tu un logiciel pour récupérer les logs des switches en automatique Ça veut dire que le switch, il, il envoie ses logs quelque part. Eh bien, si c'est ça, il faut installer un serveur de logs. R6 Log, par exemple, le fait très bien. Pour Cyril, j'utilise Puconqui parce que, en fait, tu vois, là, euh, sur les... Ça fait combien de temps qu'on est en live, là Je ne sais pas. Euh, je vais regarder le compteur. Hmm... Il est où le compteur Il est où le compteur Bah ben, ça fait euh, presque une heure. Bah ben, tu vois, sur les une heure, mon bureau, je ne l'ai pas vu beaucoup. Donc vu que je ne vois pas beaucoup mon bureau, ben, les infos sur Conquis, euh, je ne les ai pas. Donc si je veux savoir combien de RAM il me reste, ben je les vois pas. Donc c'est un peu problématique. Et vu que mon écran, il est toujours plein de fenêtres, ben je vois jamais les infos. C'est pour ça que je me suis créé cette petite extension là-haut où j'ai euh, mis euh, ce que je voulais. Et donc toutes les 5 secondes, tu vois, je vois la charge de mon système. Donc là, je vois que j'ai une charge de 5,59 sur la dernière minute. Je vois l'uptime, je vois l'utilisation du CPU. Et donc toutes les 5 secondes, ça change. Ou je peux cliquer hein, dessus. Hop, puis au moment où je clique, tu vois, ça défile également. Donc je vois bon, le noyau, système, CPU, RAM, swap. Utilisé. Et voilà. J'ai besoin que de ces, euh, ces infos-là. Comme ça, je les ai... À chaque fois, peu importe la page, du moment que j'ai pas une appli en plein écran, je vois tout. Voilà. Noté, petit coup, sur le calepin. Je suis à combien là S'il y en a qui ont déjà noté le truc, hein, pour savoir euh, si je suis déjà à 30. À mon avis, je suis déjà à 30, un truc comme ça. tout, tout, tout. Une vidéo sur l'installation et la configuration d'OpenVPN sur Ubuntu 20.04. Euh, pff, OpenVPN, j'utilise pas. Ubuntu, j'utilise pas. S'il faut faire une vidéo, pourquoi pas. Euh, Est-ce qu'avec OpenVPN, on peut se connecter en VPN si on, a, si on est sur le même réseau Peut-être, je sais pas. Ouais, on pourrait tester. On pourrait faire. Tiens, je vais le noter dans les trucs à faire. Sur le calepin, OpenVPN. Mais vu que ce n'est pas des produits que j'utilise, puis euh, que c'est très spécifique. Euh, je suis toujours un peu réticent à faire des vidéos sur des trucs bien spécifiques. Ah non, attention, un serveur SNMP pour Burn02, un serveur SNMP, ça va être plutôt pour interroger, euh, savoir euh, par exemple euh, quel débit il y a sur une interface d'un switch ou des choses comme ça, mais ça ne récupérera pas forcément les logs, les erreurs ou les choses comme ça. J'ai remarqué que Linux Mint 20 a énormément de problèmes d'installation avec les processeur AMD et carte graphique ATI. As-tu remarqué ça euh, J'utilise pas Linux Mint sur ma mécane donc je ne sais pas. Et euh, les dernières Linux Mint que j'ai installées, c'est toujours sur du full Intel. J'ai jamais testé. S'il y a des utilisateurs d'AMD, eh ben manifestez-vous sur Linux Mint. Est-il possible d'avoir deux environnements de bureau sur la même distro en même temps si on a deux écrans Non, c'est pas possible. Un environnement de bureau va lancer un serveur graphique d'affichage. Donc tu as soit Gnome, soit MATE, par exemple, mais tu ne peux pas avoir Gnome sur un écran, Maté sur l'autre. Ce n'est pas possible facilement. Sinon, il faut que tu... Alors je pense que c'est possible hein, avec des, des trucs un peu compliqués. Du style, euh, tu lances un serveur X qui gère qu'un seul écran, mais je ne suis pas sûr que tu puisses lancer un serveur X sur chacun des écrans. Oh, ça doit être possible, hein, mais euh, ça doit être très compliqué. Sinon, si tu veux deux environnements de bureau sur la même distribution, par exemple ici, tu vois, j'ai Calculé Linux avec GNOME. Et ben, je prends une machine virtuelle avec Calculé Linux XFCE. Je la lance et je mets sur deuxième écran. <laughs> C'est pas la solution. Salut à Pixel Orange qui arrive aussi au passage. Si Frido, tu me poses la question de quel soft j'utilise comme VPN. Euh, pour me connecter et euh, me connecter sur le serveur Linux Trix qui est en Allemagne pour avoir un VPN et euh, cacher mon adresse IP ou en tout cas me connecter sur une autre machine pour sortir en Allemagne puisque Linux Trix est hébergé en Allemagne j'utilise un magnifique logiciel qui s'appelle SSH ouais j'utilise SSH ça marche très bien d'ailleurs ici euh, j'en ai parlé SSH proxy j'en ai fait une vidéo qui euh, s'appelle utiliser un serveur SSH comme proxy sous Linux. Et euh, en fait, ça explique comment utiliser SSH comme proxy. Et après, comment le paramétrer sur son système. Et ça marche super bien. Donc là, pour l'AMD, je te laisserai voir avec euh, qui tu veux. Salut à Anjou, Arco, qu'est-ce qu'il nous dit Arco J'ai essayé Fedora sur mon ordinateur portable 13 pouces, mais l'affichage est minuscule. Comment mieux gérer les écrans HDPI Alors, pour gérer les écrans HDPI, on peut le faire sur GNOME. Donc vous voyez ici, tiens, il m'a passé le GNOME 3.36 en GNOME 3.38. Je vous fais un petit reboot, on va voir que la Debian, elle fonctionne toujours très bien, normalement. Et que la mise à jour de GNOME pour répondre à la question je ne sais plus qui bah, va bien fonctionner. Tchouk. ok. Et donc il y a une option qui permet de grossir l'écran, ça s'appelle texte, Gros Texte dans les options d'accessibilité. Je vais te montrer ça sur la Debian une fois qu'elle aura démarré et qu'on aura prouvé que GNOME. Euh, version 3.36 vers GNOME version 3.38, ça fonctionne super bien et sans, euh, sans quoi bah Sans souci. Alors vous allez me dire, je m'avance un peu, c'est la première fois que je fais une mise à jour de GNOME 3.36 vers 3.38, mais pour avoir fait 3.30 33, euh, vers 3.32, 3.32 vers 3.34, 3.34 vers 3.36 sur mon système, rien n'a jamais rien cassé. C'est pas français ça. Rien n'a jamais rien cassé. Enfin, rien n'a cassé. Je vois pas pourquoi sur Debian, le Gnome 3.38 casserait en venant de Gnome 3.36. Je vais te, noter, je vais te montrer la case. Ici, ah, petit problème avec les additions invitées. Je ne sais pas, je vais vérifier cela. Juste après, hop! Donc je vais juste te répondre après. Hop, vous voyez, j'ai toujours mon euh, environnement de bureau, j'ai toujours mon dash to dock. il est toujours là. Par contre, les additions VirtualBox, elles ont un léger souci. Ce que je vais faire, je vais aller dans paramètres. Probablement un problème lors de la génération du noyau sur... Ici, quoi qu'attendez, si je fais ça... C'est peut-être juste le redimensionnement automatique qui ne marche pas. Écran virtuel. Ou c'est peut-être VirtualBox. Hein. Vous savez, mon VirtualBox me fait des petits soucis. J'en ai parlé dans une vidéo. Alors, on va aller dans Écran. Je vais mettre quelque chose d'un peu mieux. Du style euh, ça. Appliquer. Ok. Conserver, ça sera un peu mieux. Donc Gnome fonctionne super bien et pour écrire le texte plus gros, donc là j'ai un, un écran euh, full HD hein, 1920 par 1080. Mais ici dans les options d'accessibilité, il y a un truc qui s'appelle zoom. Donc là zoom, tu peux agrandir euh, l'écran. Donc tu peux activer ici l'option zoom et ça c'est une loupe, mais tu vas me dire c'est pas ça que tu veux, effectivement. Donc je vais euh, décocher l'option par contre. <laughs> c'est bien mais comment je décoche l'option je ne sais pas comment je décoche l'option. Ah Comment je décoche l'option Euh... Oui. Parce que le problème, c'est que mon curseur de souris, je ne le vois pas. Ah 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 C'est sympathique, ça. Alors, attendez. Hop, on va aller là-haut. On va décocher l'option comme ça. Euh, sinon, ce qui est intéressant, c'est euh, grand texte. Voilà. Tu peux activer l'option grand texte. Et donc ici, si on ferme, Okay. Le texte est plus gros et c'est plus lisible. J'ouvre le gestionnaire de fichiers, c'est plus gros. Si je rouvre ici les paramètres, il faut fermer l'application et rouvrir. Et là, cette fois-ci, c'est plus gros. C'est écrit plus gros. Donc, ça, c'est cool. Ici. C'est plus gros que tout à l'heure. Pour ça. Euh, je vais revenir sur la question de OneRim. Petit retour rapide sur Cloudflare. De, pour Linux Trix, plus de down depuis, ben plus de down depuis que euh, j'ai mis Cloudflare. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça et ça fonctionne super bien. Cloudflare, euh, j'avais juste oublié de mettre un, un nom de domaine dans la liste de Cloudflare, donc j'ai un service qui marchait plus depuis un bon bout de temps, mais franchement ça marche super bien et on a des superbes statistiques sur Cloudflare qui nous disent que eh bien la majorité des attaques viennent de Singapour, de Malaisie et des États-Unis. Ça, ça répond. Le serveur SSH comme proxy, ça fonctionne bien sur quelle que soit la distribution Linux. Hein. Euh, je voyais que tu me mettais la question. Puisque, en fait, c'est euh, juste une commande SSH. Donc là, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Pour Serge, l'intérêt d'utiliser une distribution fixe, euh, ben, c'est la stabilité. Ça veut dire qu'on va être sûr que les logiciels ne vont pas évoluer dans une version. Alors là, je vais parler plutôt dans le monde entreprise. Quand tu installes un serveur web, que tu as une version euh, du, du moteur de serveur web ou du moteur de base de données, quand il y a des mises à jour sur certains logiciels, ça peut poser un souci. Par exemple, il euh, y a une nouvelle fonctionnalité dans la base de données ben, il faut faire un certain nombre de modifications. Si tu codes le langage de programmation, s'il passe d'une version à une autre, ben, ça peut être problématique parce qu'il y a des fonctions qui peuvent ne plus exister. Donc l'intérêt de fixe d'une distribution fixe c'est très intéressant pour du serveur dans le monde entreprise. Après pour toi bah, ça peut éviter, surtout si tu euh, si tu, euh, si tu n'utilises euh, pas ton ordinateur que tu ne mets pas à jour tout le temps, et ben euh, avec une distribution en publication continue, ce qu'on appelle rolling release, et ben ce qui peut arriver c'est que si tu la mets pas au jour à jour pendant un, deux, trois mois, il y a un moment où ça, ça pose souci. Au niveau des mises à jour. Ça peut poser souci. Je ferai un retour d'expérience dans pas très longtemps. Et sinon, euh, une distribution rolling release, tu vas l'allumer, tu, vas, tu vas auras euh, souvent, souvent, souvent des mises à jour. Si tu as une petite connexion, une distribution fixe, bon, si, euh, si LibreOffice fonctionne, tu n'as pas besoin d'avoir toujours la dernière version, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Mais il y a les deux écoles, hein, le pour et le contre. Chacun a ses avantages. Et chacun a ses inconvénients. Je vais essayer de, de regarder vite fait les commentaires. Ouais, donc le zoom, je pense que le zoom, je me suis loupé au moment où tu as mis la question. Touk, touk, touk. Le support de Nvidia n'est pas opé, mais c'est un. Ok, je ne sais plus qui part avec qui. Ensuite, qu'est-ce qui nous dit, Arco Le problème, c'est en agrandissant le texte, c'est que, que les icônes restent petits pour fermer ou minimiser la fenêtre, par exemple. Alors attends, j'ai toujours le truc sous les yeux. Là. Euh, ça là, ça là-haut. Ah ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est que le texte qui se grossit et pas, les... pas ici. Alors là, le texte il se met, par contre, les boutons, effectivement, ne se mettent pas plus gros. Euh, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait. Alors, euh, les, les, plus, euh, les plus bidouilleurs euh, d'entre nous vont dire, ah bah c'est facile. Si, as, euh, si as un écran 4K, tu mets la résolution Full HD. Comme ça, c'est plus gros. Mais ça sert à rien parce que c'est surtout plus flou. C'est surtout plus flou. Alors... Salut à Fernando. Merci pour les petits commentaires. Jérémy, qu'est-ce qu'il nous dit Quel est ton avis sur les rumeurs de plus en plus incessantes sur le remplacement du noyau Windows NT par le noyau Linux euh, ben, Ça reste des rumeurs, on n'a rien vu encore hein, pour le moment. Donc je ne sais pas. Merci euh, Titi pour les petits, euh, petits messages. Donc, Burn02, là, pour ton message, si tu laisses un PC sans mise à jour pendant genre un mois ou deux, quand tu vas le faire, t'as des risques que ça merdoit. Je ferai un retour d'expérience là-dessus. C'est déjà entamé depuis de nombreuses semaines. J'ai une machine virtuelle que je ne mets pas à jour, qui est une rolling release, et on va voir ce que ça va donner dans six mois. Je viens de faire attention, mais le miroir Linux trix est aussi passé sous Cloudflare. Oui, oui, oui. Euh, tout, en fait tout, tout les, tous les trucs de Linux Trix sont passés sur Cloudflare hein, tant qu'à faire, tant qu'à gérer euh, euh, parce qu'en fait quand tu utilises Cloudflare c'est Cloudflare qui te gère tes DNS c'est plus ton euh, hébergeur donc j'ai tout mis sous Cloudflare euh, le miroir Linux Tricks il a un petit problème c'est qu'en en fait il euh, y a des gens qui s'amusaient à le pomper euh, aspirer le, le contenu mais c'était toujours, euh, toujours les mêmes paquets en provenance d'un certain nombre d'IP donc j'ai voulu restreindre les accès également euh, par ce biais-là. Donc tout est, tout, est, tout est protégé par, euh, par euh, Cloudflare maintenant. Et surtout, c'est que ça me permet d'avoir des statistiques avec Cloudflare. C'est ça qui est intéressant de ce côté-là. Et euh, les utilitaires Calculate Linux qui récupèrent les mises à jour euh, ne fonctionnaient pas avec Cloudflare. On a fait la petite euh, correction qui euh, était nécessaire dans les utilitaires calculate pour que ça fonctionne. Et j'allais dire le mot qu'il fallait pas dire. Euh, pour les VM, tu peux faire une snapshot. Oui, oui, on peut faire des snapshots, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait sur un PC portable secondaire, genre trois mois, c'est passé, mais il a fallu que je fasse plusieurs fois pour arriver à m'en sortir. On va voir. Euh, je, là, en plus la distribution Linux Rolling Release que j'ai choisie, je ne sais pas si c'est la meilleure pour faire ce test, mais enfin. Il y, euh, y a une distribution qui a été choisie pour ça. Euh, et puis, mais si la mise à jour, elle plante, tant pis pour moi. Si ça marche bien, je continuerai de l'utiliser. Mais si ça ne marche pas, je ferai une, une réinstalle de la machine. Ça me permettra de repartir sur un truc neuf. Mais sachant que la machine virtuelle qui fait les tests, c'est un peu comme cette Debian Seed, hein. ça veut dire que j'ai installé des logiciels dessus que j'utilise habituellement, hein. donc il y a euh, Vivaldi, il y a les dépôtières, il y a des trucs comme ça, hein. donc histoire de voir avec une utilisation, je vais dire, euh, normale d'une machine, avec un certain nombre de paquets qui ont été réinstallés par-ci par-là, hein. c'est évident. Mais c'est pas du GNOME Alors, ah des nouvelles de ton Raspberry. Alors, <laughs> Kikou, kiki, Kikiou, 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 691. Je, je, oui, tu n'étais pas encore arrivé. Donc, bienvenue. J'ai, En fait, quand j'ai parlé de Raspberry tout à l'heure, je crois qu'on a encore ici, qui est okay, la page. Euh, j'ai dit que pour le moment, je n'ai pas de temps pour consacrer à Raspberry. Et j'achèterai euh, ce Raspberry au dernier moment, c'est-à-dire probablement au mois de novembre, pour que la garantie commence bah, au moment où je commence euh, à l'utiliser. C'est pas plus compliqué que ça. Ou peut-être attendre le Black Friday ou euh, le vendredi... Euh, je ne sais pas comment on peut traduire. Vu que maintenant, on n'a plus le droit de dire master. Il faut dire main pour GitHub, par exemple, pour les branches. Je ne sais, sais pas comment on va remplacer le Black Friday. Mais on verra dans ces promotions-là, savoir il y aura peut-être encore une, une offre un peu plus sympathique que ça. Et je ne sais plus quand c'est euh, ces jours euh, spéciaux, mais il euh, y aura peut-être des réductions sympas. Donc pour le moment, je ne suis pas pressé. Et euh, par contre, euh, vu que j'avais publié, je ne sais plus où ma liste d'envie sur Amazon, je ne sais plus où j'avais foutu le lien. Il euh, y a quelqu'un qui s'est amusé à euh, essayer de m'offrir. Alors le problème, c'est que. Le problème, c'est quand j'ai composé ma liste Amazon, j'ai mis, euh, mis un mauvais produit qui était un adaptateur HDMI euh, micro HDMI, et il faut un mini ou l'inverse. Entre-temps, je l'ai supprimé de la liste, sauf qu'il y a quelqu'un qui me l'a offert en cadeau. Donc j'en parlerai dans la, dans, dans la vidéo quand je réceptionnerai le matériel. Euh, j'ai renvoyé le cadeau à Amazon parce que c'était pas le bon truc donc je vais pas garder quelque chose que je vais pas garder quelque chose que bah, qui me servira jamais et euh, après renseignement chez Amazon normalement la personne qui m'a offert ce cadeau a dû être remboursée j'ai fait une j'ai fait une photo de l'emballage pour en parler dans la vidéo et remercier la personne qui était de bonnes intentions mais en fait j'avais pas mis une liste d'envie de... pour qu'on m'offre euh, des cadeaux mais c'était juste pour que tout le monde puisse la voir et puisse euh, ben, constater que effectivement euh, ce que j'avais choisi c'était bon. Donc là je regarde, c'était un câble. Quoi? C'était un câble euh, mini HDMI HDMI. Voilà. Donc ça ne va pas sur le. Ça va pas sur le ça va pas sur le Raspberry. Donc j'ai renvoyé et c'était David euh, David G, je crois, qui m'avait offert ça. Et donc j'espère qu'il a eu le remboursement, euh, puisque j'ai renvoyé. Le produit chez Amazon. Cheap Friday, ouais, pourquoi pas. C'est bien un cheap Friday. Tu fais un essai en live, tu verras bien. Euh, euh... Oui, 100% c'est trop petit. Ouais, j'ai pas d'écran 4K. Moi j'ai pris du 1080p, donc je sais pas ce que ça vaut du, du 4K en, en taille d'écran. Mais je sais que du 1080p sur des écrans euh, 13 pouces de, PC, de mini PC, c'est l'horreur. quoi. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'on avait en machine virtuelle ben, La Debian, je vais la couper, puisqu'on a vu que ça fonctionne bien. Debian Unstable, dont j'ai parlé récemment, ça marche bien. Euh, là, euh, qu'est-ce qu'on avait là Ah oui, j'avais lancé une LMDE. C'était pour tester le noyau 5.4. On va voir si on a un noyau 5.4. 4K sur 32 pouces, ouais, je sais pas. Le bureau n'est pas très grand, donc euh... vu que j'ai deux écrans, je préfère avoir deux écrans de euh, 22 pouces plutôt qu'un écran de 32 pouces. Euh, non, je ne dis pas qu'on peut plus dire Black Friday, mais vu qu'on n'a plus le droit de dire master slave, hein, maître esclave, qu'il faut dire euh, primaire, secondaire ou je sais plus quoi, enfin il faut changer plein de trucs. Je pense que Black Friday, ça va pas tarder euh, de euh, disparaître ce genre d'acronyme, vu tout le bazar que ça fait. Et bien sûr, d'ici peu de temps, je pense que le café Arabica, on n'aura plus le droit de le dire parce que ça contient le mot arabe. Et donc il faudra dire euh, autre chose pour le café Arabica. Ce que je cherchais, c'était logiciel. On va essayer de regarder si on a la possibilité d'avoir un noyau plus récent. Vous voyez, elle a. La LMDE, elle est un peu personnalisée ici. Je m'étais amusé à personnaliser le truc. On a un noyau 4.19, donc Linux Image. Oh Très au point, hein, cette, cette Linux Mint Debian Edition. Linux Image. Oh bah non Qu'est-ce qu'il me fait C'est pas cool, ça. Linux Je vais m'arrêter de taper avant. Ah, voilà. Image. Oh bah Bon. <laughs> D'accord. Un petit bug sympathique. Alors, synaptique. On va passer par synaptique. Hein. Ici. Blacklist pour block and call. Block call. Ouais, alors blacklist, qui est la liste noire, euh, ça s'est transformé en liste d'exclusion. Et la whitelist, la liste blanche, s'est transformée en liste d'acceptation. Ce sont ça les termes exacts. Linux image. On va répondre à la question. Donc il y a du 4.19 ici. 5-4. Alors il y a du 5.4 BPO, effectivement. Debian backports. Je pense que c'est un peu risqué. On a un Linux Image 4.19.0. Donc il faut prendre le Linux Image 5.4.0. Rien du tout. AMD 64. Il faut prendre ici. Celui-là. Sélectionner pour installation. On va appliquer. S'il y a des modules à installer, il faut bien sûr les installer évidemment. On va faire le test. De toute façon, elles sont là pour ça. Ces machines virtuelles sont faites exprès pour tester. Gentoo et Calculate, ils ont passé à ElongInD par défaut. Est-ce que, est que possible qu'ils passent à système D et surpassent OpenRC Alors non. Euh, Gentoo, Gen tu peux utiliser système D ou OpenRC. Tu utilises ce que tu veux. Calculate Linux, ils utilisent OpenRC. Donc pour utiliser OpenRC, il y a plusieurs... Possibilité pour gérer l'authentification, tout ça, c'est soit d'utiliser ConsoleKit, soit d'utiliser SystemD, soit d'utiliser eLoginD, login d, qui est juste la petite partie de SystemD qui est extraite et qui est fournie sous forme autonome pour gérer les connexions. Donc euh, avec OpenRC on a eLoginD. login D. ConsoleKit c'est plus maintenu, donc il n'y a plus rien. Et euh, SystemD, c'est SystemD. ELoginD, login D c'est pour OpenRC et voilà. Et vous pouvez noter encore un bâton. Ici. Console quitte, il n'y a plus de mise à jour. Salut à Philippe Verdi. Alors, Burn 02, qu'est-ce qu'il me dit Je l'avais fait en VM, le 5.4, c'était ok, il me semble, mais c'est un 5.4.0. Et du coup, il me demande je me demande si des mises à jour pour les patchs de sécurité. Et ben bah, c'est une bonne question Sauf que là, ça n'a. Ah, si, c'est bon. J'allais être mauvaise langue. De toute façon, je suis toujours mauvaise langue avec Debian. Parce que le patron de la boîte, il aime Debian. Moi, j'aime CentOS et donc à chaque fois, je lui fais des vannes en lui disant CentOS, c'est mieux. Et voici une LMDE avec un noyau 5.4. Si ça a fonctionné, oui. Noyau 5.4. Donc c'est un 5.4.8. C'est vieux. Et donc ça n'a pas l'air d'être à jour. Je crois qu'il faut faire sudo apt update. Sudo. Vous voyez, c'est encore Slingen hein, qui, qui se balade ici. Je kiffe Esslingen. Salut à LD. Oh, LDDV, t'as perdu un D, dis donc. Avant, tu t'appelais LDDV, maintenant, tu t'appelles juste LDV, puis en plus, t'arrives en retard. Ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. C'est marqué 548. 540. Mais le 548, ça fait longtemps. Hein. Tu vois, moi, j'ai un 5466, c'est écrit ici. Mais ça c'est peut-être parce que mes sources elles n'étaient pas à jour. Hein. J'ai installé sans mettre à jour. 195 paquets. Vous voyez, il passe d'une Debian 104 à 10.6. Alors on va essayer. Sudo apt full upgrade. C'est juste que mes dépôts étaient pas à jour. On va regarder ce qui me met à jour. Linux headers. Non. Je vais lancer Synaptic. Sudo. Synaptic. On va regarder. On va regarder ce qu'on a. Linux, images. Je pense que euh, c'est pas terrible hein, pour un. Pour un système, surtout pour le noyau, d'utiliser les backports. Encore si on utilise les backports pour, euh, je sais pas moi, euh, LibreOffice ça va, mais pour un noyau, c'est un peu plus compliqué. Donc là on a BPO2. BPO3. Tiens, tu regardes. Là on a le 5413. Il est là. Ça se met pas à jour, ça se met pas à jour automatiquement, ce truc. À quoi que là j'ai installé manuellement. Attends, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Je sais pas, je sais pas trop comment fonctionne ici euh, Debian. J'aurais peut-être dû prendre plutôt celui-là. Yes, c'est ça que j'aurais dû prendre. Je me suis trompé de paquet. C'est là qu'on voit ma non maîtrise de Debian, encore plus quand il s'agit de Backports. LDV, bah ouais mais LDV, si t'enlèves des dés, si t'enlèves des dés, si t'enlèves des dés, si t'enlèves des dés, des dés, gratter des dés, c'était une pub ça, bon ça marche pas mon dépiane là, gratter des dés, c'était une publicité pour les jeux à gratter, c'était énorme ça, gratter des dés, vous avez gratté des dés, oh on a gratté des dés, bref, non on va pas tarder de se quitter parce que il est tard, hein il est tard, Ouais, l'anti-publicité de l'anti-pub de, de Vivaldi a un petit problème. De, il a un petit problème en ce moment. Le, le bug est remonté et on fait des tests en interne. Et vu que l'anti-pub de Vivaldi se base sur les travaux de AdBlock Plus en partie et de uBlock Origin, il y a un truc qui, qui déconne. L'autre jour, j'ai réussi à faire crasher Linux avec Synaptic. J'arrivais plus à ouvrir ma session. Ah, bah ça c'est dramatique ça. Pour un mini-boîtier, il y a micro PC WayDown Fanless. C'est pas du Raspberry ça. Le noyau 5.8 le plus récent. Bientôt le 6. Alors pour le noyau, on est au 5.8 effectivement. Je pense que le 6 arrivera après. Après le noyau 5.20, puisque après il y a eu le 4.19 et après il y a eu le 5. Il y a eu le 3.19 et après le 3.20. Je ne crois pas qu'il a existé, ça a été le 4.0. Je pense qu'ils vont nous faire la même chose. Mais après, qu'on fasse 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.19, puis qu'on fasse 5.20, 5.21 ou 6.0, 6.1, il n'y a pas de grand changement là-dedans. Dédé, c'est dans le jeu de loi aussi. C'est dans le jeu de loi, c'est la publicité. Euh, tu peux gratter des dés. On peut gratter des dés, des dés à jouer. Et en fait, D D -E S, D, D, E, aigu, S, et donc c'était DD. Et le cochon s'appelait DD. Tu taperas sur YouTube DD. DD. Euh, -D. Tiens, je, 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 on va taper. On est, on est là pour ça, on, on va s'amuser. DD. Oh, si je mets juste ça, on va peut-être pas la voir. Tiens, tiens, si, DD -D a gratter. Elle est là. Elle est là, la pub. Elle est là. Alors je vais pas la mettre parce que je vais me faire retoquer pour droit d'auteur. Hop tiens, je le mets là. C'était ça la pub. Graté des dés. Avec les deux oies. Là. Alors forcément, la qualité, elle est énorme, mais. Tu regarderas, c'est marrant. C'est une vieille pub, hein, tu vois, il y a 12 ans là. Elle a été publiée celle-là, 2009. Bon. Je vais me remettre sur des trucs plus sérieux, genre des Raspberry. Et voilà. Bon, c'est un peu éloigné. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va, on, on, on va arrêter le live, hein, parce que c'est pas mal. C'est pas mal. On a bien parlé. Vous avez été nombreux. Alors c'est un truc de fou, parce que là, vous êtes encore 134 à regarder. Ah non, 132. On a perdu deux personnes. Vous êtes 130 à regarder, sachant que c'est un bric à brac en vrac, c'était complètement raté et euh, finalement vous êtes quand même content, c'est incroyable. Non, je pense qu'en fait ce live il était tellement nul, on n'a rien dit d'intéressant qui va, euh, qu va, je pense, disparaître. Je ne vais pas mettre le replay parce que c'était vraiment nul en fait. J'ai hésité à le faire, j'ai hésité à le faire ce, ce live et puis je me suis dit ah oh, si je vais le faire quand même. Je suis rentré à 19h30, euh, mangé vite fait, et fait le live. J'ai dit allez, je vais le faire quand même pour la forme. Bon, on n'a pas parlé de trucs très intéressants. On a juste vu que gnome 336 vers 338 sur des bien sites, ça fonctionne bien. Mais sinon, euh, ouais, non, on n'a on rien vu d'extraordinaire. De, Celle-là, je vais la couper. Ouh, c'est beau derrière. ça, je vais le couper. Parce que là j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais désélectionner. Je vais supprimer toutes mes bêtises. Là. Parce que sinon ça ne va pas aller du tout. Hop, appliquer. Enlever nos bêtises. Alors, abandonner la suppression du noyau. Non, non, non. Je veux supprimer le noyau. Alors, dans les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos euh... Des retours. Alors. Juste avant qu'on se quitte, qu'est-ce qu'il me dit Bern02, des retours sur l'intégration de postes dans un AD Windows en remplacement de Windows. J'ai pas compris la question. Merci à d'être venu, Arsène. Je ne sais pas quel est le prénom du nom. Je pense que Soua est le prénom. <laughs> c'est Dédé qui valait le coup. Ouais, c'est Dédé qui valait le coup. <laughs> Euh, pour Philippe, euh, ZFS, ça m'intéresse pas du tout. ZFS c'est le truc qui font que, ben, enfin, qui fait que... C'est le truc qui fait que tu installes une distribution avec rien du tout, et il te faut 36 000 Go de RAM pour gérer un système de fichiers, ce qui est pour le moi, pour le, pour moi hein, totalement inutile. Non, pour le particulier, ZFS, on s'en fiche un peu. Et puis, euh, dans le contexte pro, on a bien d'autres choses plus intéressantes que ZFS. Et euh, BTRFS, d'ailleurs, aussi. Hein. Ça, c'est très nul, BTRFS. Non, moi, je suis un fan de, de LVM, donc je vais rester avec LVM. J'ai testé rapidement sur un serveur pour ouvrir des sessions connexion AD. Ça marche, mais je ne sais pas si tous les droits fonctionnent. Si, euh, j'avais fait une vidéo là-dessus avec une CentOS. Ça marche bien. Euh, les groupes sont récupérés. Après, il faut juste gérer les groupes comme il faut sur, euh, sur Linux. Hein. Tu as des numéros U. Enfin, tu as des GID, des UID. Il suffit de, de mettre les bons trucs comme il faut. Mais c'est bien géré. Il n'y a pas de problème. Merci Timothée pour le. Petit com qui va bien. Euh... Donc, merci à tous ceux qui mettent des petits trucs. Là, on a perdu 3-4 personnes en cours de route. La question, c'était intégrer des postes Linux avec un AD. Est-ce que les partages réseau plus droit fonctionnent Tu peux faire des... Alors, en fait, le truc, c'est que quand tu adhères un, un Linux à un Active Directory... Le problème, c'est que tout ce qui va être GPO, euh, ça ne va pas fonctionner, évidemment. Donc, euh, le, le souci, il est là. Donc, vu que les GPO ne fonctionnent pas, tu vas avoir juste euh, ton utilisateur, tu vas pouvoir utiliser l'authentification centralisée de l'AD, tu vas pouvoir utiliser euh, les groupes. Dans lesquels tu fais partie. Donc après, il faut gérer les droits, mais le problème c'est que voilà, gérer les droits sous Windows et sous Linux, c'est différent. Donc dans un environnement 100% Linux qui se connecte à de l'AD, tu peux gérer les droits euh, entre même personnes du même groupe, il n'y a pas de souci. Par contre, un serveur Samba, enfin un serveur de un partage de fichiers, déjà, si tu montes un lecteur U pour ton utilisateur sur un endroit, bah, il ne sera pas monté tout seul, parce que la GPO Windows, elle sait pas le faire. Et puis derrière, bah, les droits. Euh, je sais pas trop comment ça marche. Hein. Tu te connectes euh, aussi avec ton utilisateur. faudrait tester avec un, avec un Samba. Mais je veux dire, avec le serveur de fichiers Windows. Si tu te connectes avec ton client Linux, sachant que tu es connecté. Ah, oh, si, à mon avis, ça doit récupérer le jeton de connexion. faudrait faire le test. Il faudrait faire le test. faudrait faire le test. Il faudrait faire le test. Après, les scripts d'ouverture de session. Euh, je... Tu peux pas faire comme sous Windows, c'est pas possible. Faut les faire à la Linux quoi. Titi titi titi. Euh, pour Rodolphe, euh, le Raspberry Pi 4, bah, c'est celui que je vais acheter quand euh, j'aurai du temps. Donc je te dirai, il y aura des... une playlist. Hein, la playlist, elle a déjà été commencée. Pour euh, Raspberry, j'en parlerai en long, en large, à travers. J'essaierai de faire euh, de graphiques, euh, du pas graphique. Enfin bref, j'essaierai de m'amuser avec ça. J'ai testé les droits avec un serveur Samba, ça marche bien. Oui, ça marche bien. Ça marche bien. J'ai prévu, j'ai prévu un jour de vous faire une vidéo sur Samba avec deux, trois petits trucs de base pour faire des partages de fichiers entre plusieurs utilisateurs, plusieurs groupes, etc. Mais je ne sais pas encore comment faire le format de la vidéo. Et puis j'ai pas encore écrit l'article hein, pour le moment. Sur Linux Tricks, il y a un truc qui parle de samba. C'est un article en vrac avec trois bricoles qui sont posées comme ça. Donc il n'y a rien qui est fait encore pour Samba. Fedora pour les débutants, je pense que c'est... Très bien, <laughs> je pense que c'est très bien. Euh, Fedora ou, euh, ou Linux Mint, je trouve que c'est bien. En fait, sur Fedora, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut mettre les dépôts RPM Fusion. Mais vu que tu le fais qu'une seule fois et qu'après quand tu mets à jour ton système, bah, les dépôts RPM Fusion passent direct dans la nouvelle version, c'est pas très grave. Tu installes une Fedora, euh, tu es avec une personne, tu lui installes les RPM Fusion, bim bam boum, les trois quatre bricoles qui vont bien, et ça roule. Après la personne se débrouille. Gnome logiciel c'est génial parce que tu peux installer que des applis graphiques. Donc tu ne vas pas avoir dans la liste des logiciels, euh, je suis pour moi des, des logiciels impossibles. Donc si tu es vraiment un débutant de chez débutant, Fedora avec Gnome, c'est génial. Sinon, peut-être que Fedora, pour les débutants, il y a autre chose qui peut convenir. C'est une vidéo que j'ai enregistrée euh, fin septembre et qui me servira probablement euh, dans le courant du mois d'octobre, parce qu'il y a probablement une semaine complète où je ne pourrai pas faire du tout de vidéo, donc euh, elle viendra pour euh, compléter ce petit trou. Mais elle est prête, cette vidéo, il faut que je la regarde à nouveau, mais elle est déjà montée, et donc je vous la mettrai euh, dès que euh, je ne serai pas là, et que j'aurai un trou pour euh, meubler la chaîne le temps d'une semaine. Pour Jean-Christophe, la version 8Go, je ne la prendrai pas parce que je veux pas euh, dépenser des sommes folles juste pour m'amuser avec un Raspberry. 4Go ça suffira pour faire de euh, tester de la bureautique, enfin des trucs classiques. Quoi. De ce côté-là. Euh, Ils ont quoi de bien C'est des RPM Fusion. Je connais très peu Fedora. Alors pour la faire vite, pour la faire vite, euh, en fait, Fedora... Ils ont une politique, c'est de ne pas incorporer des logiciels propriétaires ou soumis à brevets qui peuvent poser problème. Parce que Fedora, c'est une entité américaine, donc ils sont régis par les lois américaines. Dans la distribution Fedora, on n'a donc que des logiciels libres et qui ne posent pas de problème de brevets et de licences. Et en fait, dans RPM Fusion, on va avoir tous ces logiciels qui peuvent poser des soucis. Ça veut dire que si je retourne ici sur mon ami pkgs.org et qu'on va dans Fedora 32, tu vois ici dans RPM Fusion, je vais y trouver. Donc tu as RPM Fusion Free et Non Free. Ça veut dire qu'en fait, dans les Free, tu as les logiciels libres, mais qui peuvent poser soucis avec des brevets. Et dans Non Free, tu as ben, des choses non libres. Par exemple, dans Non Free, tu vas retrouver le pilote Broadcom. Par exemple, tu vas retrouver Dropbox. Okay C'est un truc avec une licence tu vas retrouver tout ce qui concerne Nvidia. C'est ici Nvidia, si Je le retrouves ici. Spotify, OK, Spotify. Ici, il y a des pilotes, j'ai vu pour H264 MegaSync là, c'est le client pour Mega. C'est des choses non libres. Donc forcément, dès qu'il y a besoin de, de choses non libres, Nautilus MegaSync, Nautilus Dropbox, tu as les, les extensions pour euh, Gnome enfin euh, pour le gestionnaire de fichiers de Gnome. Ok, là on up, open ne je sais pas ce que c'est, mais probablement euh, c'est pas libre ici. Steam c'est pas libre donc Steam il est là aussi. Ok, donc il y a sans doute des, des pilotes là, les pilotes Nvidia. Bon, il y a des trucs. Hein, Vis Commodore euh, 64 Emulator, sans doute c'est pas libre donc c'est dedans et dans la partie Fido euh, RPM Fusion Free, tu vas avoir des logiciels libres mais qui vont inclure des codecs dont la licence peut être un peu problématique dans certains pays. Donc ici, tu as par exemple ta Amod VirtualBox, VirtualBox, c'est dans RPM Fusion parce que la licence, c'est une licence Oracle et Oracle, c'est une licence un peu litigieuse. Tu vas retrouver dedans par exemple Audacity Free World. La différence entre Audacity de Fedora et le Free World, c'est que le Free World va incorporer la possibilité d'exporter en MP3. Et euh, le Audacity normal, il ne permet pas d'exporter en MP3. Parce qu'à l'époque, le MP3, c'était pas bien. Pareil, on a Chromium Free World, donc là avec la possibilité d'avoir des codecs non libres. On a des logiciels, ok, qui sont là. Et FAD, FAD, voilà, c'est un décodeur qui n'est probablement pas libre. Ok. Donc là, il y a plein de trucs qui sont là, et donc ça sert à cela, RPM Fusion. Donc c'est des dépôts euh, officiels, hein, ça veut dire que c'est fait par les développeurs de Fedora, mais ce n'est pas inclus par défaut dans Fedora. Il va falloir les installer à la main. Les seuls deux, les deux seuls logiciels qui sont inclus dans une Fedora que tu peux avoir accès avec GNOME logiciel activé, c'est les pilotes Nvidia et Steam. Samba sur mine, je sais pas. Dommage qu'il n'y ait pas une Fedora en rolling release. Ouais, ça c'est dommage. Une Fedora rolling release, ce serait bien. Et non, 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 non. Ne me dites pas que Fedora ou c'est une rolling release parce que regardez, si on fait Kernel-devel, je prends le paquet Kernel-devel comme ça, j'en aurai moins dans la liste. Regardez, une Fedora stable, c'est un noyau 5.8, ok. Une Fedora Row là, c'est un noyau 5.9 rc8. Donc, on n'a pas dans une Fedora Rawhide. Rawide n'est pas une Rolling Release puisque Rawhide intègre des paquets euh, de développement. GNOME Shell. Donc GNOME Shell, il n'y a pas encore euh, de version de développement de la future euh, 3.40, hein, qui ne sera d'ailleurs pas une version 3.40, mais qui sera une version euh, 40, je crois, Mais on a que des euh, logiciels, beaucoup de logiciels en version de développement libre Office. Lui par contre il est en version stable je crois hein. quand même. C'est une version stable, mais il y a beaucoup de, de logiciels qui sont en version de développement, notamment les environnements de bureau, donc c'est pas une rolling release en tant que telle, sachant que dans le noyau de Fedora Rawide, il y a des options de debug qui sont activées. Donc le noyau fonctionne de manière plus lente, puisqu'il y a plus de debug. Merci pour ta réponse, tiens. Alors attends, merci pour ta réponse, mais je ne sais même pas à quelle question j'ai répondu. Ah oui, pour RPM Fusion. Ok, j'y pense. Quand je lis en full screen des vidéos YouTube, mon CPU surchauffe, ça fait ramer mon PC laptop. Quel est le souci, driver Il faut voir ce que c'est comme, euh, comme matériel que tu as, notamment le chipset graphique. Si, euh, il faut que je te rappelle, les principales distributions Running Release, c'est Arch Linux Gen 2. Arch Linux Gen 2, donc forcément tout ce qui est basé sur Gen 2 et sur Arch Linux sont Rolling Release comme Manjaro pour Arch Linux, comme Calculate pour, euh, pour, euh, comment il pour Gen 2. Et euh, en fait une Rolling Release, c'est pas... Euh, c'est plus qu'on installe une fois et on fait que les mises à jour. Mais dans l'idée, c'est ça on l'installe une fois, il n'y a pas de numéro de version et on la met à jour continuellement. Ah si, Solu, c'est peut-être une rolling release. Il n'y a pas de numéro de version en fait. Tu l'installes, tu mets à jour, tu mets à jour, tu mets à jour. Il n'y a pas de ce processus de mise à niveau qu'il qu faut faire régulièrement, comme Fedora, comme euh, d'autres distributions. Je crois qu'OpenSUSE doit avoir peut-être aussi une, une version rolling release. De rien Michael pour les vidéos sur DNF, on va se quitter nous, on va se quitter quand même parce que je ne vais pas me coucher non plus. Déjà qu'hier j'ai regardé le match de tennis de Nadal jusqu'à plus d'une heure du matin pour me lever à 6 heures du matin. Donc on va essayer d'aller dormir un peu. Debian Seed n'est pas une rolling release hein, puisque c'est une version de développement. À ce moment-là, toutes les versions de développement des distributions Linux sont des rolling releases, hein, si on veut exagérer le truc. Alors, une rolling release, c'est quand même une distribution qui est stable. Hein. Debian Seed, c'est une version de développement de Debian. On peut l'utiliser parce que Debian est assez stable dans l'ensemble. J'en ai parlé dans la vidéo sur Debian Seed. On peut considérer ça comme une Debian Rolling Release, mais ce n'est pas une vraiment. Hein. Euh, ici, si on veut prendre par exemple dans le monde de Mageia, Mageia Calderon, c'est la version de développement de Mageia. Bah, on pourrait dire que c'est une rolling release. Bah non, n'est pas une rolling release. Donc attention, attention au concept rolling release. C'est bel et bien une distribution stable. Sur ce, il reste 125 personnes. Mais alors, je suis désolé de vous le dire, mais on va se quitter. Et on va se quitter. Euh, alors d'habitude, c'est vrai que je fais le petit dicton du jour. Là, il n'y a pas de dicton du jour. J'ai oublié de, de sortir le dicton du jour. Attendez, je vais sortir le dicton du jour. Dicton. Dicton. Je vais sortir le dicton Donc on se quitte quand même. Alors, nous sommes le combien de septembre Le 7. Non, on n'est pas en septembre, on est en octobre. Octobre. Et on est le 7 octobre. Et le dicton du jour du 7 octobre. Ah, c'est la Saint-Serge, dites-donc Mais le dicton, c'est Saint-Serge. Donc, euh, bonne fête à Serge R qui est là. Bonne fête, je ne savais pas que c'était la Saint-Serge. Et le dicton, il dit, il dit quoi Il dit que à la Saint-Serge, la charrue en terre pour niveler les taupinières. Si vous avez compris ce dicton, vous êtes extraordinaire. Je vous copie le dicton, c'est un truc de dingue. À la Saint-Serge, la charrue en terre pour niveler les taupinières. Alors bon, si je vois l'idée du truc, hein. c'est toujours des dictons de, de jardin, ça, c'est bizarre, mais... Hmm. On passe la charrue pour enlever les taupinières. Pourquoi pas. Hmm. Si on veut. Donc, ce qu'on va faire, on va se quitter. Mais on va se quitter, regardez, avec la boîte à jingle qui est toujours là. Et eh oui, celle-là est toujours là. Top. Et la boîte à jingle, il y a aussi les petits sons. Et vous voyez, il y a un truc là qui s'appelle Linux Tricks. Coin mix. Et donc, comme d'habitude, on va mettre la version remixée avec les petits canards. Vous voyez, quand j'appuie sur le bouton coin, ça fait coin. Et ben, c'est le générique de Linux Rix. Mais avec des canards. Donc, on se quitte là-dessus. Euh, J'espère que ce live, quand même, il vous aura plu. Euh, malgré euh, cette pénibilité à faire le live et euh, que rien n'était préparé. Bon, ça a été un live à la bonne vieille franquette. Si vous ne connaissez pas ce générique de fin, parce que c'est la première fois que vous voyez un live avec moi, eh bien, on va mettre la musique de Linux Tricks. Il va y avoir des... et des... Mais ça va vous faire rire. On se quitte là-dessus, je retrouve mon OBS qui est quelque part par là, ok. Et je vous dis à bientôt pour le prochain C'est Quoi Qui Dit. J'essaierai peut-être de faire un C'est Quoi Qui Dit à thème. Si j'ai commandé le Raspberry, eh ben euh, ça pourrait être cool de faire déballage de Raspberry, tout ça... Ou euh, peut-être qu'on pourrait faire un live spécial sur un thème de Linux. Plutôt que de faire un Linux serveur, un Linux euh, distribution Linux, peut-être faire un Linux euh, sur un thème euh, bien particulier, qui est assez intriguant. Mmh. Je vais réfléchir à ça. Je comptais faire une vidéo. J'avais une petite idée en tête. Mais on fera peut-être euh, un live autour de ça, histoire de, de poser quelques questions. Ouais, mmh, mmh. on va essayer. Euh, en tout cas, moi je vous dis. Portez-vous bien. La prochaine vidéo, elle n'est pas encore enregistrée. Je ne connais pas le thème. Ce sera la surprise. On se quitte sur le Linux Trix générique.mix. C'est parti et ciao ciao!